Celle-ci, elle va être bien. Moi, je le sens. J'ai un feeling absolument irréprochable, hein, vous le savez. Allez, mode survie. Donc 190%, on y retourne. Le niveau suivant. Après de nombreuses défaites. C'est tellement chaud. Mais en même temps, le jeu nous promet... Ah, là, je suis content parce que là, on est fermé au-dessus. Faut que je garde de la place pour installer des scieries, là. D'accord, de la pierre là. C'est vrai que la game précédente, il y avait tellement des ressources de pierre partout. J'étais tellement riche en pierre alors que la pierre, c'est tout le temps ce qui manque. Par contre, dans celle-ci, apparemment, on ne va pas trop manquer de bois. Et je vais pouvoir refermer relativement vite. Alors, une scierie là, comme ça. Oh oui! Oh, on commence tout de suite avec deux scieries. Comme ça, paf! Ah, celle-là, si je la gagne pas, je me la coupe. Hop là, des ressources supplémentaires. Oh, regardez-moi tous ces goulots d'étranglement. Alors, de la bouffe. Mais... Ah, quand même. J'allais dire, c'est pas de la flotte, ça, peut-être. Petite cabane de chasse... Mais oui, goulot d'étranglement, goulot d'étranglement, goulot d'étranglement. Il n'y a que des goulots d'étranglement autour de la base. Oh non, mais celle-là, c'est impossible de la perdre. C'est impossible de la perdre. Qu'est-ce qui manque? Allez, de la bouffe, bordel. Oh, mais oui, je peux même encore mettre une scierie là. Oh! Réserve de fer, on s'en fout. Ranger portée de vue plus 1, portée d'attaque plus 1. Bah oui. Un boost pour les rangers. Difficile de dire non. Là on est... Oh! La petite faille juridique, je l'ai vue. Saloperie! Non, sois pas gourmand. Commence pas. Alors, on va pouvoir mettre une scierie de plus là, une là, voire deux même. Voilà, donc déjà là, c'est bloqué. Non, pas là. N'est pas mal. Salut Sanariel, moi j'ai 10 jours 50. Ça va foirer avant le tour 11. Ok. C'est bien, je me sens soutenu par ma communauté. Je l'ai toujours ressenti. Je sais que je peux compter sur vous. Oui, l'énergie, ça vient. Nourriture. Ah oui, putain, déjà. Bon, mais il me faut une carrière, hein.
Carrière, il y a de la pierre là, là. Là, je pourrais en mettre deux, à mon avis. Mais je vais pouvoir avoir beaucoup de bois. Ah oui, là, je tourne déjà à plus 15, plus 2 ici, probablement, plus 1 là. C'est bien. J'ai encore oublié de baisser cette alerte. Merci, Mike. McDonald. Troisième mois, merci pour le resub. Et salut au passage. Ah voilà. Merde. Ah, je peux pas la mettre là. Attends, là je pouvais en mettre une à 3 et là une à 4. Attendez, je vais déjà la mettre là. Éventuellement, attendez, si je pète la maison, je pourrais la mettre là. Quand même pas sûr. Une série de plus. Alors oui, par contre, effectivement, l'expansion dans cette map-ci, c'est ça qui va être compliqué. Je suis un peu en retard, oh, tu es tout excusé. J'ai commencé tard en plus. Comme mon PC digérait une mise à jour Windows. Mon PC de stream. Pendant que je minais sur Minecraft. S'occupe. Bon, beaucoup de bois, ça veut dire beaucoup de barrières. Facilement. Et ça, je ne dis pas non. Faudrait une deuxième carrière. Faudrait ça aussi. Assez vite. Où est-ce que je mettrais le marché? Genre là. Ah oui, merde, putain, là, là, il y a de l'herbe. Donc faut que je garde la place pour des fermes. Bon, je pourrais en mettre une là, peut-être une là. Ça vaudra quand même encore un peu la peine. Bon, on verra. Ouh, la pierre, ça va augmenter doucement. C'est moi ou t'as pas encore croisé zombies? Si, si, il y en a déjà quelques-uns qui se sont fait tuer. Ok, il me faut une deuxième carrière. Ouais, c'est toujours ça. Deux, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Je vais essayer de fermer là, là. Bah, et là, c'est faisable, hein, avant la vague 2, en tout cas. Peut-être même avant la vague 1. Oh bah oui, avec toutes les ressources de bois qui arrivent. Ok, j'ai pas assez de bouffe. Plus 29 de bois, ouais, oui, mais non, mais là on est bien. C'est de la pierre, ça? Ouais. Donc ça vaut la peine que j'aille plus loin. Ok, bah du bois, ça va arriver assez vite. En attendant, on augmente la main-d'œuvre. Oh non, c'est pas vrai. J'ai pas la vision. Donc il va me falloir une tour ici. Bon, allez, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Encore? The walls
Ouais, du coup, faut ça. De l'or, oui, ça va, l'or, ça augmente assez vite. Ok, comme ça, je ferme ici. Là, je pourrais récupérer la source de pierre qui est là. Je peux faire encore une scierie. Ben, je peux faire, voilà, comme ça, directement. Allez. Ok. Maintenant ça. La caserne. Pas assez de bouffe. Un peu de main-d'œuvre. Ah, pas énormément. Donc faudrait peut-être. Ah, pas assez de main-d'œuvre, pas assez de bouffe. Attendez, comment je peux étendre la bouffe? J'ai déjà un truc là. Là, j'en ai pas. Trop étroit. Là, ça ne va pas. Fuck! Ah, mais oui, mais. Ça va venir, hein, ça va venir. Bon, il me faut ça, vite. L'énergie arrive, ok, tout arrive. Voilà. Bon là déjà c'est fermé. Par contre on va se taper la première vague. Non. Pas encore dit. Salut Polo l'abricot. Pas encore dit qu'on se tape la première vague sans avoir eu le temps de faire de caserne. On va voir. Je mettrai mon marché ici, je pense. Qu'est-ce qu'on fait en premier du coup? Moi j'ai bien envie de faire ça en premier quand même, l'atelier de bois. Ouais, histoire d'avoir les fermes parce que sinon je vais être bloqué. Comment ça prend de la place cette saloperie? Habituellement je fais la caserne en premier. Mais là, le fait d'avoir pu mettre déjà des murailles partout et que tout soit fermé. Ça me rassure quand même vachement. Ouh, il y en a beaucoup là. Oh, il y a de l'énergie. Ok, du coup, j'ai pas assez de travailleurs. Et j'ai pas assez de bouffe. Voilà. Ah non, lui il va faire du bruit! Quoique, peut-être que ça m'arrange en fait. Parce qu'ils vont avancer vers la muraille, mais ils vont se faire défoncer. Et je pourrais aller du coup chercher. Chercher du truc. Chercher l'énergie. Bon, garder de la place pour le marché. Hein. Ah, j'ai déjà plus beaucoup de place pour les maisons du coup. Oh non, ça va. Donc c'est ça qu'il me faut maintenant, pas l'entrepôt. Ah mais non, ça, bah, je l'ai déjà. C'est la caserne qu'il me faut maintenant.
Corque, ce serait peut-être bien que je puisse avoir ma première ferme. Comme j'ai pas beaucoup de main-d'œuvre. Bon, allez, je prends la ferme. Comme ça, je pourrais augmenter la main-d'œuvre. Et faire la caserne après. On est jour 8. Oui, non, ça va, j'ai largement le temps en fait. Qu'est-ce que je fais? Tiens, ramène-en 2, 3. Voilà. Mais elles viennent d'où? Mais qu'est-ce qu'elles foutent toutes là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elles ont toutes abandonné leur poste? Pas compris là. Bon, j'attends hein, pour pouvoir faire la première ferme. Pas cramer toute ma main d'œuvre. Ok, je vais bientôt pouvoir aller chercher l'énergie, c'est cool. Allez, après directement on lance les chalets. Oh, faut tellement que je fasse le marché, vite. Je suis à fond dans les ressources. Oh, c'est un bon départ, c'est un bon start, je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre. Les chalets maintenant. Ça, je pourrais améliorer tout ça. Ferme. Allez, va pour une là. Siri, est-ce que je peux encore en faire une? Non. Pas déconner. Maintenant, il me faut ça. Ouais, je vais avoir les chalets, je vais avoir plein de bouffe, on va pouvoir avoir plein de main-d'œuvre. Et après, on lance la caserne et la production de troupes. J'ai pas beaucoup de place. Voilà, ça va. Ils essayent de casser les murs ou ça. Ah, c'est bon. Voilà, là on va avoir tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on prend après? Bah oui, le marché. Forcément. Vu toutes les ressources qui dégueulent, j'ai pas besoin de rusher la baliste pour l'instant. Besoin de rusher les ressources. Ben voilà, on peut déjà passer au chalet. Ah, mine de rien, les chalets, ça double le nombre de personnes. 4 travailleurs, attendez. Juste un peu plus d'or. Trop juste en termes d'énergie. Ah, attendez. Je suis sûr que je peux aller chercher ça. Nice. On met ça en route. Et c'est parti. Ah oui, je viens de rechercher le marché. Qu'est-ce qui me manque? Travailleur. Ouais. D'accord.
Tu vas dans quelle direction après? Non, j'ai pas scouté effectivement pour l'instant. Donc je ne sais pas. Je consolide pour l'instant. Je consolide. Mais on va très très bientôt se tracasser de ça. Provenance du nord. Donc elle va arriver à mon avis soit par là, soit par là. Par contre, il était grand temps de faire des rangers quand même. Hein. Ma position est beaucoup mieux consolidée depuis que tout à l'heure. C'est pour ça que je me dis que ça peut être bien cette fois. Il me faut le marché. Plus de travailleurs encore. Oh, tellement de pierres. Ouais, j'ai déjà des tours de défense partout. Bon, je vais avoir quelques rangers quand même. Ok, du bois et de l'or, parfait. J'avais quand même de la marge de progression en bouffe, donc j'en aurai encore plus avec le marché, et en plus les surplus seront vendus. Donc c'est tout nickel. Allez, tout ce qu'il me faut, c'est de la thune. Réserve de pierre ou salaire des snipers, moins 40%. Salaire des snipers, ça peut être pas mal. Moins 40% en plus, parce que les snipers, bon, maintenant on sait qu'on doit en faire le plus possible. Oui, mais non, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une réserve de pierre plus importante? C'est pas si mal. Ok, ils arrivent par là. Parfait, ils n'iront nulle part et après je peux aller scouter l'esprit tranquille. Ouais, ils m'ont quand même battu un. Quand même pété un mur. Alors. Ok. J'en ai combien? J'en ai 6. Ouais, je voudrais plus voir ce qui se passe ici. On va venir voir. Ouais, c'est bon, je vais pas trop nettoyer pour l'instant. Je veux surtout voir par où je peux m'étendre. Encore que je suis pas sûr que je suis obligé de m'étendre pour l'instant. Oh putain, il y en avait un au milieu, quel con! Oh, comment se faire zinguer une.
J'allais dire une bonne femme. Un ranger. Eh, mais là, je peux faire aussi de la bouffe. Je suis vraiment aveugle avec ça. L'eau, je ne la vois pas. Ça, c'est toutes les games que j'ai fait dans la forêt profonde, hein, c'est pour ça. Il n'y a pas d'eau là-bas. Du coup, on prend pas l'habitude. Quelle excuse de sac. Qu'est-ce qu'il fait? Baliste. Ouais, le truc qui va être casse-couille là maintenant, c'est que pour savoir par où je vais m'étendre, il faut que je nettoie. Mais en fait, là je peux fermer, là je peux fermer. Et ce qui me permet de récupérer ces ressources-là, moult pierres. Eh, ça s'énerve un peu par là. Et ici, par exemple, le simple fait de faire une zone de défense un peu plus grande de ce côté-là, je récupère une énorme zone de fer. Mais je crois que je vais opter pour ici. Encore ? Il gratte beaucoup là. Moi je reste pour le nord en vrai. Quoi, s'étendre vers le nord? Bah, la grande zone de pierre ici, pierre et fer. Plus encore là de la pierre. Je me dis qu'elle est pas mal. Hey, ils attaquent non-stop ici. Je vais taper une défenseuse de plus. Ok. Alors, pas être trop gourmand ici. Voilà. Mais du coup, tout ça, je peux péter à mon avis. J'aurais pas besoin de cette défense là. Par contre, de la place pour faire une ferme de plus. Ça oui. 38, c'est pas terrible, mais... Le nord, je le sens bien pour build des maisons. Ah, la zone dégagée là-bas. Mais là, j'ai beaucoup d'herbes. Bah, là, il y a l'air d'en avoir pas mal aussi. Mais ici, moi, je trouve que là, j'ai beaucoup de ressources. Hein. J'ai de la pierre, du fer, de l'herbe pour faire de la bouffe. Je trouve que ça fait beaucoup. On n'a quand même pas tout ça au nord. Je suis pas trop mal en thunes. Le bois ça va toujours. La pierre augmente énormément. Et là ça va être encore pire.
Est-ce que je fais encore des rangers? J'en suis à quoi? La main-d'œuvre, ok, j'ai beaucoup beaucoup de bouffe. Donc allez, hein, les baraques, faut que ça y aille là. Énergie, énergie, énergie. Voilà. Tout de suite en faire un deuxième d'ailleurs. Ici, je pourrais avancer aussi pour récupérer la zone de fer d'ailleurs. Il me reste combien de temps? Je suis jour 16, la vague arrive jour 19. Bon, là, faut que je ferme. Hein. Ils attaquent tout le temps au même endroit, encore et toujours. Là que je manque de bois maintenant. C'est nouveau ça. Ils peuvent pas franchir le camionnette là. D'accord. C'est une baliste qu'il me faudrait là. Par contre, s'ils attaquent à nouveau du nord, je vais pas être tout à fait bien. Comment est-ce que je peux autant manquer de bois? De plus, c'est inutile. Voilà, c'est à nouveau fermé. Ah, je peux faire des snipes. Il me faut du fer maintenant. Combien je peux en avoir? Il me faudrait l'atelier de pierre. Je suis un peu en retard sur l'atelier de pierre, j'ai l'impression. Quoique ça va, on est jour 18. Ok, je lancerai les premières balistes à la prochaine vague. À voir où elle arrivera en fait. Bon, en énergie ça va. Quand même encore en faire un petit. Oui, là c'est pas mal. Alors. Non, la bouffe c'est ce que j'ai le plus, c'est bon. Alors, ça vient d'où? De l'est. Ok, ça va arriver par ici. Est-ce que je mets déjà des balistes?
Ouais, ça va arriver de là-bas. Bon, oui, donc j'en mets une. Ok, prochain c'est l'atelier de pierre. Je voudrais la tour de guet juste pour pouvoir voir un peu plus loin, pour pouvoir scouter sans scouter. La technique de lâche. Attention qu'il y a un... Ah, il y a un géant là. Oui, il faudra pas s'en approcher. Ok, là j'ai pris de l'avance en énergie. C'est de la main-d'œuvre qui me manque. Ok, je pourrais faire ça tout de suite. Ils sont quand même. J'ai qu'une seule épaisseur de mur, hein. Je pense que ça valait quand même largement mieux que je kite. Alors, quand même que je le fasse à proximité de la baliste, sinon ça ne sert à rien. Bon, vu que j'ai placé une baliste ici, je vais plus m'étendre de ce côté. Voilà, là c'est une belle défense. Bon, où est-ce que je m'étends? Ah oui, il me faut le fer. Ben voilà, 4 de pierre et 2 de fer de plus. Que demande le peuple? Ça, je lance l'atelier de pierre. On va faire des tours de guet. Bah tiens, notamment une ici. Histoire d'y voir un peu plus clair. Je voudrais bien m'étendre ici parce que cette défense-là me fait très peur. Me fait très très peur. Ici, comme j'ai beaucoup de ressources, quoique je peux fermer là. Et là, j'ai de la forêt! Mais oui, mais ce qui me manque, c'est des maisons. Ce qui manque, c'est des maisons, mais je pourrais avoir plein de forêts. Oh. Suis pas fan des tours de vision. Bah honnêtement, ça donne quand même beaucoup d'infos sur ce qui se passe autour. Ah oui, j'ai ce machin là. C'est ça qui me dit tout le temps que je me fais attaquer. J'ai fait le choix de jouer en oppose. Donc je joue en oppose. Bon, là j'ai de la place pour mettre des fermes. Là, je ne peux plus trop faire de maison. Donc c'est ça qui me manque. C'est de la place pour faire des baraques.
Mais quand même, fermer là. S'étendre ici, oui, c'est. Allez, je ferme là, comme ça je récupère toutes ces ressources ici. Ouais, je vais faire ça. Avant la prochaine vague, je récupère toutes les ressources ici. Comme ça, j'aurai un gros goulot ici. Et éventuellement, je pourrais même placer une deuxième ligne de défense là. Et à la rigueur, on en restera là. Merde! J'ai pas de pétrole! Il est là, le pétrole! Oh! Ah oui, mais non! Sans pétrole, on ne va nulle part. Comme savent pertinemment tous les gilets jaunes. Ouh, les snipers, ils vont rameuter du monde ici. Ah non, ça va encore. Ah, attendez. Pour savoir si ça vaut le coup, je vais faire ça. Et comme ça, je vais pouvoir regarder tout ce qui se passe là-bas. Ici, serait bien de pouvoir aller. Je m'apprête à m'étendre. J'en suis au niveau main-d'œuvre 18. Est-ce que je peux faire mon. Oh putain, il m'en faut 20. Au niveau du pathfinding, je sais même pas si je peux encore envoyer un soldat jusque-là. Tellement j'ai bourré les trucs de partout. Je pourrais taper quelques maisons ici. Oula, oula, oui. Juste que j'en ai besoin, quoi. Ah ben voilà, maintenant je vois. Ah, j'ai de l'énergie ici. Ouais, effectivement, c'est très dégagé de ce côté-là, hein, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça, quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça? Je suis pas sûr. Si je viens refermer ici, visiblement, ça doit être possible. Et là, par contre, je pourrais récupérer pas mal de ressources. Et le puits de pétrole qui est là, ce qui m'en fera un. Fuck. Il fallait que je garde un peu de main-d'œuvre pour l'atelier. Ah non, j'en ai encore assez. Du bois, ok, ça va vite arriver. Et 1000, ça arrivera très vite aussi. Allez, j'attends pour pouvoir faire ça. Là, il y a une défense plus faible. Je devrais pouvoir fermer ici pour récupérer le fer. Mais je m'étends pas assez vite. Bah, quoique, j'ai pas encore, j'utilise pas encore tout l'espace non plus. La bouffe commence doucement à se faire. Un petit peu plus rare. Mais ça va. Voilà. Alors, atelier. Ok.
Ouais, ça va, mon petit groupe de nettoyage devrait se démerder encore que... Ah non, ça va. Ok, les pieux, ça sera pour la prochaine vague. Alors, bah du coup je pourrais passer aux maisons au lieu de m'étendre, pourquoi pas. Au lieu de m'étendre, j'optimise. Enfin, j'améliore. On en est où? 25, 27, ok. La faille juridique. Quoi? Oh putain! Les petits connards. Bien vu. Et là, on commence à être plus nombreux. Ramener un snipe. Et oh, oh, on va se calmer. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de merde? Qui vient de nulle part? Revenez, revenez, revenez. Et pourquoi personne n'arrive là? Oh non, ne me dites pas que c'est le Pathfinding! Oh si, putain, non, ils peuvent pas passer! Ils sont bloqués! On va s'en sortir par miracle! Mais oui, je sais! Mais putain! Qu'est-ce que c'est que ça qui se passe? Eh, elle sort d'où cette attaque? Quoi ce délire? C'est pas une vague! Ils sont sérieux! Ils sont passés? Non, non, faites quelque chose, vous. Faites quelque chose. Oh. C'est bon? Mais on a eu tellement chaud du sgeg. Qu'est-ce que c'est que ça? En dehors d'une vague, comme ça. Rien à foutre. Je suis pas d'accord, hein. Oh, une harpie! Merde, il y en a déjà sur la map. Et ici, les défenses sont bien trop faibles. Je n'aime pas ça du tout. Alors, ça vient d'où? Du nord. Ah! Pas là! Oh putain, avec l'impossibilité de kaiter, sauf... Oh, dis-moi que je peux les emmener jusque là. Oh non, ils peuvent pas! Ils peuvent pas! Je me suis bloqué! Et ils passent! Il y a encore une faille juridique. Ils peuvent pas! Regardez qu'ils sont cons! Oh, c'est scandaleux.
Quelle défense à la Zub. Mais c'est là qu'ils vont venir. C'est là qu'ils vont taper. Mais non, mais non, mais... Mais oui, vous ne pouvez plus passer. Ils peuvent encore aller de là à là? Oh non, ils vont pas passer par là. Ah! Fuck! Donc les unités qui sont là sont, sont foutues, très bien. Parfait. Ah ça va, la balise va pouvoir agir. Mais je peux kiter du coup. Mais alors à quoi ça sert que le jeu nous restreigne dans les constructions? Dans l'emplacement des constructions, on est toujours obligé de garder un bloc d'écart entre les constructions. Donc à quoi ça sert si malgré tout on peut se bloquer comme un consanguin bilatéral? J'aimerais qu'on m'éclaire. Ça ne sert à rien, juste pour nous emmerder. C'est ça en fait. Bon allez. Faites votre taf. Bah on va ouvrir hein, du coup. C'est ici que je vais venir m'étendre. Hein. Laissez tomber, hein. Malgré tous vos conseils, finalement je vais je vais m'étendre vers le nord. Mais... je fais son possible. Oui, non, je sais. On est mal. Je me développe quand même beaucoup moins vite que la dernière partie qui était win. On est tour quoi là? On est jour 29. Formidable. Donc là, mes troupes, si elles sortent par là, elles viennent par là. Allez. On a fait le consanguin. On le fait jusqu'au bout. Attends, non. Sinon, il va encore me baiser comme la dernière fois. Mais toutes les structures du type. Bah oui, les barrières, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas à d'autres endroits. Alors. Hop. Hop. Ok. Il me faut plus de défense ici. Ah, il m'aurait fallu un peu plus de défense ici aussi, pour bien faire. Là, ça doit se défendre à peu près pas trop mal. Réparation? Quoi? Il a été endommagé? Oh là, il y a du pétrole encore. Ah, je peux améliorer les maisons, mais j'ai pas assez de bouffe. Très bien. Oh le con! Oh, j'ai tellement failli. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc j'ai pété mes défenses et puis je me suis dit vas-y, vas-y. J'envoie mes troupes plus loin. Formidable, hein. Continue. Continue dans cette voie, c'est vraiment parfait. Alors, faut que je ferme là. Fort bien. They are trying to break into the building.
Ok, là je risque rien. Je voudrais que mes troupes se rejoignent. Qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs? Quoi? Ah oui, ils ont, ok, ils ont pris la tour Tesla. Ça, c'est pas grave. Cette zone-ci devrait pouvoir se défendre d'elle-même. Comment ça, mais... Ah merde, les cons, ils ont fait une brèche. Non, ok. Vite, vite, vite! Merde, mais ils sont pleins. Pourquoi ils sont pleins à se pointer comme ça? C'est solide un snipe en plus, hein. Ah, je vais pouvoir fermer là et là en fait. Ce qui va être beaucoup plus confortable. Voilà. Oui, tiens, en fait. Bon, là, c'est pas mal. Donc maintenant, faut que je ferme là. Peut-être que je pense à faire des troupes en plus. Ok, je manque un petit peu de bois. Ben, je vais pouvoir en faire là. On va commencer par ça. Là, je pourrais avoir du fer. Ah oui. Évidemment, si je ne mets personne dans les défenses, ça va être plus difficile. Là, ça passe. Ah, c'est pas sûr, ça. Si. Si, si, ça passe complètement. Mais allez, oh là là. Oh, je suis en retard pour tout. Oh là là, la prochaine vague, elle arrive. Mais ça va fonctionner, je vous le promets. Manque tant de ressources. Ah oui, de l'énergie. Ouais, du coup, ce qu'il me faut,
Voilà, centrale d'énergie, comme je manque de place. Je pourrais faire encore une scierie, hein. Oh, j'ai tellement de pierres par contre. Il me faut les murs en pierre là. Ah ouais, donc à chaque fois ils vont passer par là, faudra que je fasse gaffe. Du pétrole là, je ne contrôle aucun puits de pétrole. Pour l'instant, j'ai le choix entre celui-là, mais je le sens pas. Ou alors celui-là, celui-là. Ah là, j'en ai deux. Pas juste démolir la maison qui bloque. Non, je crois qu'il n'y en a pas qu'une qui bloque. Ça le problème. Et que si je commence à jouer à ça, malheureusement, je vais devoir péter beaucoup de trucs avant de. Avant que ça marche, quoi. Voilà, mur en pierre. Je serais beaucoup mieux avec ça. Permettra de faire souffler un peu mes réserves de bois. Bon, j'ai quand même beaucoup de troupes, par contre. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, ça vient d'où? Du sud. Super! Changez rien. Merde, je peux pas faire de double mur ici. Sauf si je fais ça. Ah oui, c'est vrai que ça peut aussi arriver de par là. J'ai pas les moyens de construire des balistes. Mais bon, j'ai dépensé tellement de thunes dans mes troupes. Ouais, ça y est, hein, ça attaque de partout de nouveau, hein. Alors, ça va arriver où? Là ou là? Mais enfin!
Ah putain! Et du coup, je m'occupe pas de ça. Oh, le no-pause, quel enfer! J'ai pas de deuxième ligne de défense. Oh, rip! Et en plus, j'ai pas, putain! Oh, la saleté de merde! C'est bon. Rip. Putain, le jeu qui lance une petite vague sur une faiblesse de mes défenses. Juste pour me déconcentrer pile au moment de la truc. C'est quand même assez hallucinant comme ce jeu est taillé pour vous le... pour vous élargir le cul jusqu'à ce qu'on puisse se servir de vous comme d'un télescope. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Oh là 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 là, quel cauchemar! J'aurais pas dû m'occuper de ça, mais j'avais pas capté que la vague allait arriver aussi vite. Des fois, elles arrivent assez lentement, et puis des fois, elles arrivent super vite. Évidemment. Mais non, mais écoutez, on ne peut pas réussir à chaque fois. L'important, c'est de progresser et d'apprendre. Le jeu joue avec nos rêves et nos espoirs. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. C'est tellement impitoyable. L'expansion vers le nord m'aura perdu. Mais j'avais peur que cette faille me coûte cher au nord. Enfin, que les défenses au nord qui étaient trop faibles me coûtent cher. Du coup, j'ai voulu forcer l'expansion vers le nord. Et en plus, j'avais de la place pour m'étendre. Et c'est ça, finalement, qui m'aura coûté la game. Ça, j'en suis sûr. Parce que le... si je m'étais plus posé et investi dans mes défenses, un peu partout, notamment au sud, etc., avant de m'étendre, c'était bon. Parce que je pouvais faire progresser mes maisons, j'avais encore un petit peu de place. J'avais encore un petit peu de place pour faire différentes choses. Donc oui, en fait, il fallait pas m'étendre. J'ai perdu beaucoup trop de temps et beaucoup trop de ressources à vouloir capturer cette zone au nord parce que j'avais peur de mes trucs. À la limite, ce que j'aurais dû faire, c'était m'étendre un tout petit peu vers le nord, mais juste histoire de pouvoir rajouter une petite muraille en plus, avec une baliste et un truc comme ça. Et là, j'étais tranquille. Ça me prenait 1000 fois moins de temps. Et c'était jouable. C'est le no-pause qui t'a coûté la game. Non, non, mais moi, je tiens à faire du no-pause. C'est plus rigolo. Je sais bien que tout le monde veut jouer en pause et tout, mais écoutez, c'est bon quoi, on va pas se faire chier avec du pause, à tout le temps s'arrêter, analyser, repartir, ça va prendre 1000 ans. Tu te souviens les murs que t'as détruits au sud quand tu t'es étendu? Bah voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est une accumulation d'erreurs, mais ce qui est important c'est qu'elles viennent toutes de la même personne. Donc bon, finalement, voilà, si vous voulez un coupable, vous l'avez. Ah, écoutez, je vais quand même uploader ça sur YouTube. Ça fera quand même du contenu. On a eu beaucoup de... De toute façon, c'est finalement une bonne synthèse de ce stream d'aujourd'hui. On n'aura eu que des échecs. Voilà, il faut en montrer aussi, quoi, parce que la vie n'est pas faite que de réussite. Il suffit d'aller faire un tour sur Twitter pour s'en rendre compte. À bientôt. Et bah on retentera hein, jusqu'à y parvenir. Moi, je suis toujours hypé pour continuer. Allez, salut !